Bonjour à tous, je suis Monsieur Dioclaude, fondateur de l'association En toute franchise avec Madame Denette. Je viens vous souhaiter un bon Noël. En achetant notre livre, vous pouvez faire un très très bon achat et il contribuera à récupérer à la société plus de 418 milliards. Martine Denette, présidente de l'association En toute franchise et de la Fédération nationale, basée à Marignane. Les 418 milliards, c'est les scandales des infractions de la grande distribution qui exploitent des millions de mètres carrés sans aucune autorisation, sans que ni le préfet ni le ministre ne veuillent sanctionner ces surfaces illicites. Déjà, ils laissent perdurer cette concurrence déloyale complètement scandaleuse. Et en plus, ils ne veulent pas aller chercher les amendes pénales. Donc c'est des magasins de 4000 m² qui suppriment des dizaines et des dizaines de commerces en centre-ville, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les sanctions pénales ne sont pas là pour justement stopper cette concurrence déloyale. Alors hier, nous sommes allés rencontrer les députés du groupe Lyot. Il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, où on a été, j'ai été un peu vexée. C'est que monsieur Charles de Courson a dit que lorsque je lui ai dit qu'il y avait des permis de construire, que les commerçants ne pouvaient pas attaquer les permis frauduleux, il m'a dit que c'était faux. Donc maintenant, toute notre action va être de prouver à monsieur de Courson et à tous les députés que ce que nous disons est vrai et ils peuvent venir consulter nos dossiers. Et déjà, s'ils lisaient le livre, ils verraient que ce que nous disons, ce n'est pas des mensonges, c'est la réalité, que les commerçants ne peuvent pas attaquer ces permis frauduleux exploités en toute impunité. Ce livre représente 30 ans de travail, d'enquête, qui constitue 418 milliards d'infractions constatées. Et dans ce livre, vous trouverez tous les détails et les sources et la vérité. Ce livre n'a jamais été contesté par les autorités. Vous pouvez être garanti que dans ce livre, vous avez la vérité sur les surfaces illicites de la grande distribution. Malheureusement, on vieillit comme tout le monde. On ne fait plus comme on veut. On n'a plus 20 ans, ça c'est bien connu. Mais en attendant, on a la pêche. Pour les fêtes de fin d'année, vous pouvez offrir notre livre 418 milliards qui vous racontera toutes les infractions de la grande distribution. Et nous espérons que pour ces fêtes de fin d'année, on pourra vous annoncer une bonne nouvelle, que le préfet sera dans l'obligation d'aller contrôler le magasin Babou qui exploite 4050 m² de surface illicite depuis plus de 23 ans. Je souhaite un bon Noël à tous, tant qu'on peut encore le souhaiter. Et on remercie particulièrement tous nos adhérents et toutes les personnes qui nous soutiennent. Merci encore et à l'année prochaine.